Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, on se retrouve avec la découverte du jeu internet Escape the Wicket. Alors, en français, c'est tout simplement rompre le lien maléfique. C'est un jeu où il faudra pouvoir essayer de survivre et de se déplacer dans une maison pour pouvoir avoir des items et pouvoir plus rapidement avancer. Alors, on commence tout de suite. Donc il faut trouver. Donc malheureusement c'est en anglais pour l'instant. J'espère qu'un jour ils mettront en français. Donc là ils nous expliquent un peu comment il faut faire. On a trois objets à trouver normalement. On a le crâne qui est là. On a la lampe torche qui est là et on a le sablier qui est là. Après il y a d'autres choses. Qu'est-ce que c'est que cet objet? J'arrive pas trop à voir ce que c'est. On dirait une sorte de d'amas de je ne sais quoi, de papier, de feuilles. Peut-être là. Oui. Après une enveloppe. Donc en clair, on va devoir récupérer tout ce qu'il y a sur le dessin, quoi. En gros. Alors, attendez. Ça, c'est là. Heureusement qu'on n'a pas de temps pour pouvoir récupérer les objets. Là, on a récupéré tous les objets, il me semble. Il nous demande peut-être aussi de récupérer ça, d'accord. Et ceci qui est là. Par contre, la hache qui nous demande, je vois pas où elle est. Où est-ce qu'elle est cette hache? Je ne vois pas du tout où se trouve la... Ah, peut-être là. J'ai reconnu le manche. Donc, pour l'instant, on a récupéré tous les objets. On va pouvoir avancer, à mon avis. C'est parti, on arrive à l'intérieur. Et là, c'est pareil, il faut retrouver tous les objets. Ensuite, là. Bon, ça, c'est assez simple à trouver les objets parce qu'ils sont rajoutés sur l'image de fond. Du coup, c'est assez simple pour les voir. Bien sûr, ils ont mis quelques objets en plus pour faire un peu de troll, entre guillemets. Mais une fois qu'on a le coup de main, c'est assez rapide de trouver tous les objets. Ensuite, le vase, il est là. Et il nous manque l'appareil photo qui est ici. Voilà, on a tout. Hop. On va faire quelques pièces comme ça. Et après, je vous laisserai. Et je vous laisserai aussi faire le jeu de votre côté. Parce que le but n'est pas non plus... de tout faire à votre place, c'est aussi de vous montrer qu'il y a possibilité de faire certains jeux qui sont plutôt intéressants. Donc là je vais assez vite parce que je vois où sont les objets et ensuite des... C'est ça qui est assez intéressant, c'est que les objets sont assez visibles. Du coup, on n'est pas là à chercher pendant 2 heures. Ah, voilà, là, ça se corse. Parce que c'est un jeu en anglais. Du coup, pour trouver les mots en anglais, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, mirror. Document. Basement. Si vous voyez des mots avant moi, dites-le moi en commentaire. Paypack. Et Wicket. On a trouvé tous les mots. Donc c'est bien, c'est assez varié. C'est pas non plus de la recherche d'objets.
Il faut trouver aussi d'autres choses. Là, on n'a plus les objets. Ça va être un peu plus compliqué pour moi, sachant que je ne comprends pas trop l'anglais. Donc, horse, c'est cheval normalement. Cheval, je dirais ça. Chaise, figurine. Chaise. Butterfly. Broom. Butterfly, c'est pas papillon? Si, c'est ça. Façon, dans chaise figurine, il y a figurine. Donc ça pourrait m'être utile. Peut-être le. Non, ça ferait Kate. Donc c'est pas le chat. Peut-être la citrouille, non. Broom, qu'est-ce que c'est broom? Cuillère? Non. Boussole non plus. Si. Non, c'était quoi? Ah, j'ai pas vu, c'était celui-là qui était là. Boussole, c'était du coup. Je vais un peu cliquer sur tout. Parce que je ne vois pas ce que sont les mots. Donc ça, c'était les objets. Alors, Hero Mask, ça doit être ça. Voilà. Rat, rat, ouais. Le rat, où est-ce qu'il y a un rat? Ratchila, j'avais pas vu, voilà. Télescope. Le télescope, c'est pas cette petite chose là? Non. Ah, il est là. Whistle. Je sais pas c'est quoi Whistle. C'était Gant, ça. C'était celui-là qui était en deuxième. Je me rappelle plus du nom. Il reste plus que Whistle. Je me demande bien ce que ça pourrait être. Ah, c'était un couvercle, d'accord. Donc on a eu un peu de mal. Ah! Non, je ne veux pas, s'il te plaît. Merci. Donc là, on vient de terminer le premier objectif. Donc, pour ma part, la découverte va se terminer ici. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager. Et si vous passez par là, de vous abonner. Et surtout, si vous voulez une suite, dites-le moi dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve rapidement pour d'autres jeux. Salut!